souhaiter la bienvenue, comme je viens de vous le dire, et à tous nos intervenants qui ont bien voulu nous honorer de leur présence pour enrichir ce débat. Permettez-moi donc, encore une fois, de vous souhaiter la bienvenue. Aujourd'hui, c'est avec vraiment une grande émotion et beaucoup de fierté qu'on vous accueille, parce que, primo, c'est le 10e congrès du CJD national. C'est une rencontre qui marque la fin de ce mandat, 2013-2015. C'est la dernière action de ce mandat, organisée par ce bureau sortant. Elle sera suivie, cette rencontre, d'une assemblée générale élective cet après-midi. Et donc, il y aura l'élection d'une nouvelle équipe qui va prendre les rênes du mouvement pour le mandat 2015-2017. Comme vous le savez, beaucoup d'entre vous le savent déjà, le CJD regroupe aujourd'hui plusieurs centaines de jeunes dirigeants qui sont tous fédérés autour d'une mission commune, porteuse de valeurs humaines et d'efficacité économique, une mission qui défend un libéralisme responsable et qui place l'humain au cœur de toutes les préoccupations et qui met surtout, et c'est vraiment l'objectif majeur de notre mouvement, c'est l'objectif qu'on ne doit jamais perdre de vue avec toutes les actions qu'on mène et tout ce qu'on fait au niveau du mouvement, c'est de mettre l'économie au service de l'homme et de l'entreprise, homme avec un grand H et entreprise avec un grand E. Donc on est soucieux de contribuer efficacement à la recherche de solutions aux problèmes économiques rencontrés par les jeunes dirigeants et d'œuvrer pour la promotion des entreprises adhérentes au CJD. Donc on a fait ça pendant plusieurs années, tous les présidents ont fait ça pendant, depuis que le CJD existe. On a multiplié sur ce mandat les manifestations, les actions, à travers plusieurs débats autour de thématiques d'actualité économique et politique. Et donc pour ce mandat 2013-2015, avec le concours de notre partenaire stratégique, la Fondation Conrad Adenauer, on a élaboré un programme riche et varié, comprenant plusieurs actions nationales et régionales, et qui vise à améliorer l'environnement d'entreprise, comme je vous l'ai dit. Mais pas que l'entreprise, donc du JD également. Avec, entre autres, des événements qui ont été sous forme de petits déjeuners débat, sous forme de rencontres également, et des thématiques qui ont été abordées pendant ces deux années, et qu'on retrouve aujourd'hui, donc c'est l'aboutissement, c'est la fiscalité, l'emploi et la formation, essentiellement. Mais pas que, puisqu'on a parlé de tourisme également, on a parlé d'autres problématiques. On a parlé lors du congrès de l'année dernière de l'entreprise digitale, de l'entreprise 3.0, l'entreprise connectée qui ne vit pas avec son air. Donc on essaie d'aborder vraiment des problématiques qui aujourd'hui s'inscrivent dans la logique de pérennité de nos entreprises. Et donc, à l'issue de toutes ces rencontres, il y a des recommandations et qui ont sollicité l'intérêt des différentes autorités compétentes. Donc 6e, je crois que c'est, vous avez fait en 2 ans, vous êtes venu 4 ou 5 fois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille également, on a des projets, comme moi jamais. Donc on est très proche du ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi. On a un programme qui s'appelle Enactus, et demain matin, vous êtes avec nous aussi, encore, sur Enactus, donc sur une problématique majeure, l'entrepreneuriat chez les jeunes, l'entrepreneuriat social notamment, dans le cadre de Enactus. Et 6e est régulièrement avec nous sur ce genre de manifestation. Et je pense que vous avez saisi tout l'intérêt de notre démarche, et de cet effort que nous voulons faire pour contribuer à cette création de richesse et cette création de valeur qu'on voudrait partager équitablement entre toutes les parties prenantes, source de tous les maux en ce moment de la Tunisie. Et vous voyez, dès que je ne vous le dis plus, je pars. Donc un an après, les jeunes dirigeants, tout le tissu économique tunisien, un an après, 2 ans après, je dirais, de ce mandat, attendent beaucoup plus d'audace et de courage de la part des pouvoirs publics, afin d'engager ces fameuses réformes et ces mesures nécessaires pour relancer l'économie et remédier à cette situation qui est très délicate. Le terme « audace » est un terme JD, ce qu'on appelle. On a un dictionnaire chez nous, au CJD. C'est un langage RAD que tu connais bien, parce que ça fait très longtemps RAD. L'audace, l'agilité, il y a toute une terminologie que nous diffusons dans notre mouvement. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on demande aux autorités, c'est d'avoir de l'audace. C'est pas un mot péjoratif, pas du tout, c'est une bonne chose. D'avoir de l'audace, du courage, de l'envie, afin qu'on puisse avancer et arriver à cet objectif majeur qui est l'intérêt général. Et donc, après cette phase transitoire politique, qu'on appelait de transition politique, qui a donné lieu à des structures permanentes, puisqu'on a un gouvernement aujourd'hui élu, on va dire, on estime qu'il est temps de travailler chacun de son côté pour redresser cette situation économique qui est délicate
Et c'est pour ça, donc, après tous ces constats, et pour marquer la fin de ce mandat, on a décidé de choisir cette thématique, les défis économiques, et si la Tunisie avait l'audace de ses réformes. On a voulu être un peu provocateur. On se pose encore la question, franchement, monsieur le ministre. Est-ce qu'on a l'audace de nos réformes? Nous, on pense fondamentalement que oui, on peut se permettre d'avoir cette audace de nos réformes. Et puis, de toutes les manières, d'être un peu plus dur, est-ce qu'on a le choix? Je pense qu'on n'a pas le choix. Et donc, on voulait consacrer cette matinée à une réflexion ensemble sur cette problématique. Et donc, avec vous, messieurs les ministres, concernés par des axes majeurs sur lesquels on travaille. Et on a pensé qu'il serait bien de s'inspirer d'un exemple, d'une réussite, celle du Portugal. Et donc je remercie encore une fois M. Pedro Lourti et notre ami Nuno Barzea qui est dans le coin, avec lequel on a préparé. Il y a un expert aussi qui va intervenir par visioconférence, en espérant que la connexion tienne le coup. Et vous allez voir, c'est extrêmement enrichissant. Et les similitudes qui existent entre nos deux pays, que ce soit sur le plan démographique, géographique, social et économique, sont, et même historique. Donc il y a un décalage de 30 ans entre nous, à peu près, sur les plans d'histoire, mais et on se retrouve 30 ou un peu plus, monsieur l'ambassadeur. Mais je vous laisse en parler. S'inspirer de ce cas. Aujourd'hui, on va commencer par ça. On va parler, monsieur Lourti va nous parler du cas du Portugal. Et puis, on va en débattre entre nous. Mais avant ça, je vais donner la parole à Reis pour commencer, et puis à mon ami Hardy, et puis on démarre.